J'ai mon instance de portfolio. Mon modèle a été partagé, j'ai une instance. Cette instance, elle est utilisable, sauf qu'elle n'est pas encore affectée à un utilisateur. Donc cette instance, il va falloir l'affecter à un usager. Donc j'ouvre le menu de l'instance. Je vais partager avec des usagers. Donc on voit que cette instance, elle est partagée avec un designer qui s'appelle Fabrice Lhote. C'est donc moi. Mais je vais chercher à le partager à nouveau avec un étudiant. Donc je vais bien sûr ne pas lui donner le rôle de designer, mais lui donner le rôle d'étudiant. Comme on l'a vu tout à l'heure, il n'aura juste le droit que de déposer un fichier. Donc je sélectionne étudiant. Je n'ai pas tous les étudiants, là, j'ai juste les étudiants qui sont déjà connectés à la plateforme. Donc on va prendre le cas de Meva Arnarizon, qui est notre informaticienne, et qui, elle, s'est déjà connectée. Et souvent, même sur cette plateforme. Je vais partager. Et je vais fermer. Alors, juste avant de fermer, j'indique que dans l'écran de partage, on a un designer qui est Fabrice Lhote et on a un étudiant qui est Meva. Je pourrais aussi avoir, bien sûr, un enseignant qui serait une telle personne. Le SUO qui serait telle autre personne, etc., etc., etc. Plus votre modèle sera complet, et plus on pourra avoir de modes d'utilisation différents.